Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les résultats des élections sénatoriales sont désormais connus. Comme lors des municipales et des régionales, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, est à nouveau le grand gagnant. En cette période de rentrée scolaire, la question de l'accès de tous les élèves à une éducation inclusive, qualitative et équitable a fait l'objet d'un panel de haut niveau. Et si leurs enfants ne sont pas encore sur les bancs de classe, deux jeunes mères du quartier Anani à Port-Boué ont été sensibilisées sur la bonne nutrition de leur tout petit. La Côte d'Ivoire a de nouveau été traversée par la vague orange. Le 16 septembre, un peu plus de 9000 grands électeurs étaient attendus aux urnes pour les élections sénatoriales. Scrutin à l'issue duquel le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a remporté 56 des 64 sièges de la Chambre haute, et ce, en partie grâce à une forte mobilisation des grands électeurs. La Commission électorale indépendante a en effet annoncé un taux de participation de 91,25%. Le PDCI a pu lui aussi tirer son épingle du jeu en remportant les élections dans les régions de Yamoussoukro, Lifou et du Bélier. Le Bélier, où le président sortant du Sénat, candidat pour le RHDP, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a perdu. A savoir que le Sénat compte 99 membres, dont 64 sont élus et 35 autres nommés par le président de la République. 11 694 milliards de francs CFA. C'est le nouveau budget du gouvernement ivoirien. En 2012, il était de 3 189 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont un signe d'un progrès économique très important pour la Côte d'Ivoire. Cependant, certains citoyens s'interrogent sur la bonne gestion du budget ainsi que les dettes auxquelles la Côte d'Ivoire doit faire face dans les années à venir. À ces préoccupations, Moussa Sanogo, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, a rassuré que l'État ivoirien a une dette modérée et qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Les services de l'État travaillent également sur ces questions au quotidien et font donc tout pour que nous ayons un risque de surendettement qui reste au niveau que nous souhaitons. Mais maintenant, même quand on va au-delà, quand bien même vous avez par exemple un risque de surendettement élevé, parce qu'il y a des pays dans la sous-région qui ont un risque de surendettement élevé, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en faillite. Ce n'est pas parce que vous avez une tension qui est élevée et qui est un peu plus importante que la normale, qui est en général de 12-8, que ça veut dire que vous allez... passer des vies à trépas le lendemain. Non, ça veut dire que vous devez faire attention à certaines situations, éviter le stress, ainsi de suite. C'est la même chose pour un État. Notons que la Côte d'Ivoire a remboursé 1175,1 milliards de francs CFA sur un montant de 1613,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'apurement de 71%. Une salle comble et une décoration aux couleurs du drapeau ivoirien. C'est le décor planté pour la cérémonie d'ouverture du village de la rentrée scolaire souriante RESS. Ici, à la maison de la presse de la commune du Plateau, des officiels animent un panel d'envergure autour du thème émergence africaine, défis et enjeux d'investir dans l'éducation et la formation afin de discuter sur les questions liées à l'éducation. Objectif, contribuer à une éducation inclusive, équitable et de qualité en Côte d'Ivoire. Je me réjouis d'être là, de participer à cette séance d'ouverture de la rentrée scolaire souriante organisée par la fondation Roba.net. C'est une initiative louable à laquelle j'apporte mon soutien et qui permet effectivement de passer un certain nombre de messages relatifs à l'éducation et l'avenir de notre continent. Élèves, étudiants, parents d'élèves, chefs coutumiers, tous ont pris part à cette cérémonie ainsi que le Conseil national des droits de l'homme. Je dirais que l'éducation qui s'inscrit au cœur de toute action humaine également nous intéresse à plus d'un titre. Parce que la promotion des droits de l'homme passe par une éducation de qualité inclusive. Et la question de l'éducation s'inscrit aussi bien dans les objectifs de développement durable. Et donc nous étions à promouvoir, à sensibiliser les populations sur la mise en œuvre de la loi sur l'école obligatoire de 0 à 16 ans. La RESS est un forum international dédié à l'éducation et la formation dans plusieurs domaines. Elle se tient chaque année depuis 2018. Encore élève, Aïcha est une jeune maman de 19 ans. Elle se rend à une journée de sensibilisation communautaire et de dépistage de la malnutrition organisée par l'ONG, le Centre d'accueil des mamans d'Anani, en partenariat avec Nutrition sans frontières. Comme elle, c'est au moins une centaine de mères qui ont reçu des conseils sur la nutrition et la bonne conduite à tenir en tant que maman. J'ai appris comment les enfants doivent être bien nourris, comment moi aussi la mère doit être bien nourrie aussi. En tout cas, ça m'a fait du bien. Et on nous a posé des questions, on nous a appris beaucoup de choses aussi. Et nous avons eu aussi des fruits
pour nous permettre à nourrir bien nos enfants. Le bien-être, une énergie renouvelable, c'est sur ce thème qu'est organisée cette journée dédiée à soutenir les objectifs de développement durable, notamment la santé et le bien-être. L'objectif de cette journée, c'est pour sensibiliser les femmes, informer la femme sur la nutrition des bébés. À partir de 0 mois jusqu'à 2 ans, nous faisons ça ici. En tout cas, je suis satisfaite parce que les mamans sont venues nombreuses. Cette journée vient à mesure d'appuyer le titre de l'OMS qui est la santé et le bien-être. Nous voulons apporter la nutrition sur le terrain, montrer aux parents que nous, nutritionnistes formés en Côte d'Ivoire, nous pouvons leur apporter notre expertise en matière d'une alimentation équilibrée et diversifiée. Notons que c'est en 2017 que le week-end mondial du bien-être a été un événement bénévole qui se déroule chaque troisième week-end de septembre pour promouvoir la bonne santé et le bien-être de tous. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.